un joueur qui perd ne sera jamais d'accord avec votre analyse de toute façon, juste après. Donc moi, je trouve que c'est bien d'analyser un petit peu à froid. Donc le débriefing et le bilan se fait soit pendant la compétition, mais s'ils ont perdu le jeudi, vendredi, on peut faire ça le dimanche, ou alors ici à l'INSEP, une semaine après ou 3-4 jours après. Il ne faut pas le faire trop longtemps après, parce qu'après on oublie aussi ce qui s'est passé. Alors là, on peut faire le débriefing à chaud quand ça gagne, ça va, mais le problème, c'est qu'à un moment, il y a toujours une défaite chez nous, soit ou alors il faut gagner le tournoi, donc à un moment, il y a bien un moment où ça perd. Donc là, moi, je préfère le faire à froid.